Alors, pourquoi qu'il y a une petite gêne, en fait, parce que je voulais faire quelque chose sur le western depuis très longtemps, et je savais pas trop par quel biais l'aborder. À la limite, je voulais pas partir sur un personnage un peu trop célèbre. Je sais pas, je veux une histoire plus, mais je savais pas trop. Et en fait, on m'a fait lire les lettres de Calamity Jane à sa fille, que je connaissais pas. Et là, ça m'a paru une évidence, en fait. Le texte m'a beaucoup touché. En fait. J'ai adoré le texte. Et en plus, il y a toutes les figures emblématiques du western, enfin, toutes les scènes, je dirais, clés du western. Donc, c'était évident. Donc, j'ai adapté, j'ai pas tout pris dans les lettres parce qu'il y a des choses qui sont moins intéressantes ou même un peu dures, je dirais, par rapport à la littérature jeunesse. Mais j'en ai pris, enfin, vraiment, ce qui m'intéressait le plus, c'est vraiment les scènes clés, quoi, où je me suis éclaté à faire toute l'imagerie du western que j'avais dans ma jeunesse. Pour les méthodes de travail sur cet album, comme je suis tout seul dessus, je me suis, pour le coup, là, sur le niveau du texte, bon, il était écrit, mais il fallait quand même faire tout un travail de sélection, oui, c'est vrai qu'il y a un travail sur le texte que je ne fais pas d'habitude, vu que c'est Fred Bernard qui s'en occupe, même si on en discute beaucoup et je suis impliqué dedans. Mais là, c'était vraiment... Et puis l'idée venait de moi, donc... Mais j'ai beaucoup travaillé aussi avec Lucette Savier, mon éditrice, qui m'a beaucoup aidé quand même, hein, pour tout mettre bien en place et que ça s'enchaîne bien, que voilà, qu'il y ait un bon rythme. Et après, pour ce qui est de l'illustration, là, pour le coup, c'est comme d'habitude, j'ai envie de dire. C'est vraiment, en plus, avec vraiment un plaisir et en même temps une certaine pression, parce que le western, ça nourrit toute mon enfance. Et j'avais vraiment envie de faire quelque chose à la hauteur, déjà, du texte et des souvenirs de mon enfance. Et tous ces westerns que j'ai vus mythiques. Et donc, je ne sais pas si j'y suis arrivé. En tout cas, je suis sûr qu'en fait, j'aurais envie de refaire encore refaire quelque chose dans l'univers du western. Ça, j'ai pas épuisé le sujet, loin de là. Alors, le choix du format, le plus grand possible, hein, c'est logique. Pour l'image, quoi, pour que l'image soit la plus impressionnante, si on veut. Je suis pas tout à fait... Enfin, j'ai hésité à faire un format à l'italienne. Format italien, donc allongé. Bon, pour ce qui est plus panoramique, c'est bien. Mais après, au niveau on a des contraintes techniques qui fait qu'on peut pas faire des formats à l'italienne très grands. Parce que ça marche. Enfin, voilà, c'est... Du coup, j'ai fait un format et je voulais pas faire des doubles pages. Texte, enfin, parce qu'il y a des doubles pages images. Et il y avait beaucoup de texte. Je suis resté sur un format classique, en fait, comme je fais d'habitude, texte-image, je alterne. Alors, oui, c'est pas vraiment, enfin, si, un livre qui m'a marqué, en fait, dans ma jeunesse. C'est pas vraiment un livre, en fait, je me rappelle, c'est l'Almanach de Noël. C'est un livre qui appartenait à mon genre, à mon arrière-grand-mère. Je pense que c'est un livre des années 20. C'est plutôt ma grand-mère. Je me rappelle, c'est un gros almanach, c'était l'écho du Noël. L'écho du Noël, c'est ça, c'était l'écho du Noël. Donc que des histoires, donc c'était le recueil de tous les numéros de l'année. Et je me rappelle que ma mère nous lisait ça pendant le déjeuner avec mon frère et moi. Et c'est un souvenir, alors c'est des histoires très... très vieille France, j'ai envie de dire, mais ça m'a vraiment marqué. Après, j'avais pas beaucoup de livres jeunesse, des contes de Perrault illustrés, je crois, mais j'avais très peu de livres jeunesse, en fait, à l'époque. Enfin, je suis pas baigné dedans, quoi. Et j'avais des BD, par contre, aussi, pas mal de BD. Par contre, ça, je me rappelle les Lucky Luke, les Tintins, ça, je lisais beaucoup. Mais des livres jeunesse, vraiment format jeunesse, à part l'Almanach de Noël, l'Écho du Noël, qui est vraiment le truc, années 20, années 20, 22, je sais plus, dans ces eaux-là. Mais ça m'a beaucoup marqué, avec un dessin très réaliste, un peu, c'est marrant.